Bonjour les grands! Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Lou et Louve vont très bien et ils ont envie de vérifier que vous vous souvenez de comment on marie le vent avec les monsieur et madame. Alors on ne va pas tous les faire aujourd'hui, mais je vais vous en proposer quatre. Alors c'est parti! Vu! Et on peut faire avec les gestes si on a besoin. Vu! Super! Ensuite, va avec les gestes, va. Ensuite, troisième, vit, vit. Et le dernier, vais, vais. Super. Ça va, ça n'était pas trop difficile. On va compliquer un petit peu les choses maintenant. Je vais vous montrer le travail que vous aurez à faire tout à l'heure et vous allez remarquer qu'il y a six dessins. Nous allons dire ce que sont ces dessins. Ici, le garçon regarde dans une longue vue. C'est pour voir les choses qui sont très loin et ça les grossit. Une longue vue. Ici, c'est une caravane. Ici, vous le savez, c'est une valise. Ici, une vis. En bas, un vélo. Et ici, un violon. Violon. J'ai fait exprès de le dire doucement parce qu'il y a un petit peu un piège dans le violon. Vous allez devoir entendre si dans chaque mot, nous entendons V ou vie ou alors va ou encore vu. Si l'on entend va, on va écrire va sous le dessin. Je vous remontre comment on écrit va, puisque vous savez que c'est difficile d'accrocher le vent avec les monsieur, madame. Alors, pour faire va, je commence mon vent. Je monte comme une canne, trou de ver de terre, je glisse. Et pour accrocher monsieur A, je vais le commencer plus loin et l'accrocher juste ici au bout de la patte. Celui-là, normalement, il n'est pas trop difficile. J'accroche mon A, il touche la ligne. Vous devez avoir vos deux lettres qui touchent la ligne. Va. Donc, quand vous entendez va dans un mot, vous l'écrivez sur la petite ligne qui est en dessous, sur les petits pointillés. Va. Il peut y avoir aussi vie. Vie va être plus compliqué à écrire. Je vous le remontre. Je fais mon vent. Et là, je vais baisser un petit peu ma main pour accrocher Madame I. Regardez. Je baisse la main et hop, je fais Madame I. Je monte la montagne, canne à l'envers et le point. Je vais vous l'entourer pour que vous voyez. Ici, j'ai le vent. Vous voyez bien que sa main descend. Et ici, j'ai Madame I. Vous voyez bien que sa main monte la montagne. Je vous le refais une dernière fois. Hop, je baisse la main et je la remonte pour Madame I. Voilà pour vie. C'est normal, ça fait comme un petit creux ici. C'est tout à fait normal. Je vous montre ensuite comment accrocher vu. On va faire exactement la même chose que pour vie, sauf qu'au lieu de faire la canne à l'envers de Madame I, on va faire le trou de ver de terre. Ça va faire ceci. Le vent, je lui baisse sa main comme pour Madame I ici. Je remonte Mademoiselle U, je monte la montagne. Trou de ver de terre, il est là, mon trou de ver de terre, et la canne à l'envers. C'est normal que j'ai ce petit creux, c'est l'endroit où il se donne la main. Ici, j'ai le vent, et ici, j'ai Mademoiselle U. Je veux voir le trou de ver de terre. N'oubliez pas de faire les deux morceaux du trou de ver de terre. Mademoiselle U, vous voyez ces deux nattes. Je veux les deux. Ici. Donc, c'est normal que ça descende et que ça remonte. Très bien. Le dernier, qui est un petit peu plus compliqué,
C'est pour accrocher le vent avec Madame E. Comme pour Madame E quand on écrit vendredi. Je sais que c'est difficile, donc je vous remontre encore une fois comment on fait V. Alors, pour faire V, je vais prendre mon vent comme d'habitude. Et là, quand je vais descendre la main du vent, je vais faire ma boucle du E. Je descends, boucle du E qui touche la ligne. Je vous remontre une fois. Le vent, je baisse la main, je fais une boucle. Et les deux lettres sont de la même taille. Vous n'avez pas le droit de me faire un grand vent et un petit E. Non, 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 ça n'est pas possible. Donc, je sais que c'est difficile. Regardez bien le modèle. Vous pouvez regarder plusieurs fois la vidéo. Va, il est facile à accrocher sur le bout de la patte. Vi et vu, on descend un peu la main et on la remonte. C'est normal que ça fasse un petit creux. Ve ou V, je descends et je fais ma boucle. Oui, au courage. Vous devez donc écrire sur les petites lignes si vous entendez vu, va, vie ou V. Je vous ai mis le modèle en haut.